Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui est un haul d'un site que j'ai déjà commandé précédemment. Je vous ai fait une revue. Je vous mets dans la barre d'infos si vous n'avez pas vu la première revue sur ce site Rosgal. Et là, donc c'est une deuxième commande, c'est un deuxième essai, un deuxième test. Parce que dans la première vidéo, franchement, tout était nickel, tout était parfait. C'était, voilà, il n'y avait pas un truc qui n'allait pas. C'était un sans faute, donc forcément ça m'a donné envie de recommander sur ce site. Et du coup j'ai voulu l'approfondir un peu plus et j'ai pris des choses un peu plus variées. Donc je me suis un petit peu penchée sur le thème back to school. C'est vrai que c'est la rentrée et bah, c'est fini hein, de prendre des petits maillots de bain, tout ça. Là j'ai plus pris des choses pour la rentrée, veste, sweat. Ensemble de sport, petite basket, enfin je vais vous montrer tout ça. J'ai même pris un petit peu d'homme pour mon chéri. En même temps ça peut peut-être vous donner des idées, ça peut donner aussi un avis sur, sur la catégorie homme du site. Alors on va commencer peut-être avec deux articles qui sont pas pour l'école, pour la rentrée. J'ai quand même craqué sur deux articles encore pour l'été, on est encore fin août, donc je vais encore profiter de mettre des affaires d'été jusqu'à ce que ce soit possible. Moi l'été je le passe tout le temps en short, je suis dingue de shorts, des petits shorts en jean etc, je ne mets que ça. Et là j'ai voulu tester les shorts en jean de ce site parce que j'ai fait plein de sites chinois cet été. J'ai commandé plusieurs shorts en jean et aucun ne m'allait. En fait au niveau des shorts ils font pas de XS et moi je fais du XS habituellement. Et le S sur les sites chinois, bah moi c'est trop grand. Donc Rosgal, j'avais pas encore testé les shorts, je me suis dit allez on va essayer deux shorts, on verra hein, tant pis si ça va pas, ça va pas. Mais j'ai été agréablement surprise parce que les shorts me vont super bien. C'est du S mais enfin c'est pas du S grand, c'est du S normal voire un petit peu petit. Moi j'aime bien les shorts cintrés, les shorts assez serrés où j'ai pas besoin de mettre une ceinture. Donc mon gros coup de cœur, mon premier, c'est celui-ci. Regardez-moi la beauté du short. C'est un short en jean effiloché comme j'adore. J'adore prendre des shorts comme ça un petit peu effilochés sur le bas. Mais j'adorais le détail des lacets comme ça sur le côté. Et là, c'est une tuerie les gars. Franchement, je l'adore. Il taille trop bien. En plus, Rosgal, c'est un site avec tous des petits prix. Donc franchement, il y a de quoi se faire plaisir. Et au moins, je sais que dessus, je peux commander les shorts S sans souci. Ça taille trop bien. Celui-ci, c'est vraiment mon gros, gros, gros coup de cœur. Avec, j'espérais vraiment qu'il m'aille. Quand je l'ai reçu, je priais. Je me disais pourvu qu'il va m'aller. Et je suis trop contente. Et le deuxième, c'est encore un petit peu dans l'esprit lacet. Mais cette fois-ci, pas en jean. Il est en matière, je sais pas comment vous dire, du tissu noir, quoi. Voilà, bref. Donc là, les lacets, par contre, se trouvent derrière. Donc devant, il se ferme avec un bouton. Normal, voilà, il est assez simple. Mais derrière, j'adore. Franchement, il est trop canon. Alors, les lassages, à savoir que ils sont pas mis, donc c'est à vous de les mettre. Hein. Quand vous recevez, vous avez les lacets à côté. C'est à vous de travailler. Mais bon, franchement, je suis trop contente. Les shorts, c'est vraiment une tuerie. D'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller commander les mêmes articles ou voir un petit peu les caractéristiques. Tout y est, n'hésitez pas à la dérouler. Ah oui, donc ça y est, on commence par le petit flop quand même de ce short. Je suis dégoûtée et ça m'a fait ça sur deux articles, je vous montrerai après aussi. En fait, le trou là, le trou pour mettre le bouton n'est pas percé. Donc bah, je sais pas comment je vais faire parce qu'en plus c'est hyper épais. Du coup là, ben, je peux pas passer mon bouton parce que là c'est pas ouvert, le trou est fermé. Comment je fais, s'il vous plaît, aidez-moi. Je pense que je vais essayer avec une paire de ciseaux. Mais c'est vraiment épais, c'est du jean épais, hein, donc je sais pas comment je vais faire. Donc là, je comprends pas, franchement, c'est la première fois que ça me fait ça sur un site. Donc là, je comprends pas pourquoi ils ont oublié de faire le trou. J'ai pas compris. Alors après, je me suis commandé aussi un article vraiment indispensable, les filles, à avoir dans votre collection de lingerie. C'est ce soutien-gorge adhésif. Alors, j'en avais un couleur beige, nude. Mais ils avaient plus au magasin que je l'avais acheté, en fait ils avaient plus en S, donc c'était en M et franchement ça faisait un peu grand pour moi. Du coup là j'ai pris le noir en S, ça se resserre là en fait au milieu, vous avez un genre de lacet qui resserre et qui donne un petit effet push-up. Et c'est génial quand vous avez des hauts en fait où derrière on voit tout le dos. Et ben voilà, au moins vous n'avez pas la barre de soutien-gorge en plein milieu et c'est hyper adhésif, je vous assure que ça colle super bien en fait, même pour l'enlever, limite ça fait mal. Mais c'est vraiment indispensable pour moi d'avoir ça dans sa collection de lingerie. On va passer maintenant aux affaires vraiment pour la rentrée. Et donc j'ai craqué sur une veste en jean clair, mais cette fois-ci avec des motifs un peu de broderie. Alors je vous montre comment elle se présente. Vous avez de la broderie derrière
et en fait sur les manches des deux côtés il me semble. Oui, sur les deux manches vous avez un peu de broderie aussi. Donc là la veste taille, taille S, elle taille bien. Par contre, bah encore le même souci qu'avec le short, c'est qu'il n'y a aucun bouton de troué. Vous m'expliquez s'il vous plaît, Rosegal, pourquoi vous faites ça? Donc là, genre la manche, bah je peux pas fermer le bouton parce que là, il n'y a pas de trou entre deux. Donc c'est à moi de les faire, enfin c'est un peu compliqué quand même quoi. Et pareil sur tout le long de la veste, il n'y a aucun trou, donc on peut pas la fermer à moins que je fasse moi-même mes trous. Mais j'ai trop peur de l'abîmer, de faire n'importe quoi, franchement... Là je suis un peu perdue, c'est dommage parce que la veste elle est super jolie. Voilà, si c'est à moi de faire les trous, j'ai vraiment peur de me rater. Donc je vous tiendrai au courant sur Snapchat, je vous dirai quoi si j'ai réussi à faire les trous. Parce que là franchement ça me fait un peu peur. Hein. Mais sinon bah, la veste elle est vraiment canon quoi, c'est une tuerie. Moi j'adore en ce moment tout ce qui est broderie comme ça. Alors mon chéri est un peu moins d'accord avec moi, il aime pas tout ce qui est fleurs, il aime pas tout ce qui est broderie. En fait là il déteste tout ce que je porte en gros. Mais je vais pas m'arrêter à ça hein. Si moi j'aime bien je me fais plaisir hein. Alors là pour la suite j'ai pris aussi un sweat parce que j'adore quand c'est l'hiver tout ça. J'adore traîner en sweat chez moi ou même bah, pour sortir hein, finalement je le trouvais super original un sweat comme ça avec une bouche. Alors il est molletonné à l'intérieur, franchement il est super chaud. Là je peux pas le mettre en ce moment parce qu'on est encore au mois d'août. Fait pas non plus une température à mettre des choses aussi chaudes, mais je sais que pour la rentrée ça va être vraiment le top. Il est bleu marine, j'aime bien. En plus je trouve que pour les blondes le bleu marine ça va super bien. La taille, je sais plus si c'était taille unique ou taille S, j'ai vérifié. Je pense que c'est taille unique en fait parce qu'il n'y a pas de taille dedans, mais bref il taille super bien, il est trop beau. Alors les sequins, j'espère que ça va pas partir, je sais pas trop comment je vais le laver, sûrement à la main ou je sais pas, mais il est trop beau, j'adore. Alors maintenant on arrive à l'ensemble de sport entre guillemets. J'ai voulu prendre quelque chose de plus sportswear. Mais alors dans l'ensemble il y a un truc qui va, un truc qui va pas. Donc j'ai pris un ensemble avec des bandes blanches. Et en fait il est matière un peu satinée, noir brillant. Enfin moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper tendance. Par contre alors j'ai pris du taille S. La veste elle est nickel. La veste voilà il y a un zip comme ça. Elle taille super bien, elle est trop belle, j'adore. Franchement, même pour en tant que petite veste, même avec un jean ou quoi, ça passe, elle sera super jolie. Donc la veste, j'adore. Par contre, le bas, j'ai pas compris. C'est un S, alors il a fallu que je regarde 10 fois l'étiquette pour voir s'ils se sont pas trompés. Parce qu'on dirait un parachute le truc. Franchement, je peux pas le mettre, il est 10 fois trop grand. La taille, ça pourrait être élastique, mais moi, ça me flotte à fond. Et il est trop large quoi, enfin je sais pas, ça suit pas du tout ensemble. Autant la veste taille assez petite, elle est bien cintrée et tout, mais alors là le parachute s'il vous plaît, merci quoi. Bon ensuite alors j'ai un petit coup de cœur aussi à vous montrer. Je suis trop contente, j'avais trop hâte de le recevoir. C'est un sac à dos brodé. J'adore vraiment tout ce qui est broderie en ce moment. Et quand j'ai vu ce sac à dos sur le site et quand j'ai vu le prix surtout, j'ai été bluffée. Donc bah nickel hein. Franchement là pas de soucis, il est bien, il est pas non plus hyper grand, on peut facilement y mettre des cahiers etc. Bah d'ailleurs on va tester tout de suite. Hop, alors là par exemple une pochette taille standard dans le sac, nickel. Enfin voilà nickel, ça passe crème quoi, génial. Donc du coup je pense que pour aller en cours ben ça peut être bien. Moi forcément je vais pas à l'école, bah toujours besoin d'un sac à dos chez soi. Franchement moi j'adore parce que je m'en sers même quand j'ai dans des parcs d'attractions etc. Et là bah là j'ai un sac à dos hyper fashion. Donc là j'aime beaucoup, en plus noir il va suivre avec tout, donc je l'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur. Alors après j'ai une veste mais c'est la grosse déception parce qu'elle est trop belle mais elle me va pas. Donc j'ai pris taille S et là mais le S est beaucoup trop large pour moi. Voilà, militaire, c'est la mode du army, tout ça, j'adore. Mais quand je la porte, ben, on dirait que voilà, franchement, on dirait une M. Elle est beaucoup trop grande pour moi, donc je suis dégoûtée. Mais sinon, si on jugeait plus par la matière, etc., la qualité, voilà, c'est une bonne qualité. La matière est bonne. Ici, c'est élastique au niveau des manches, au niveau du bas. Bref, moi je la trouve super jolie, donc du coup c'est pour ça que je suis un peu perdue avec les tailles sur ce site. Autant les shorts en S, nickel, mais alors là, une veste en S, ben non, c'est largement trop large. Alors ensuite j'ai pris une paire de chaussures, en fait c'est pour ma maman, parce que forcément je sais qu'ici sur cette chaîne YouTube, il n'y a pas que des petites jeunes qui vont à l'école qui me regardent. Je sais qu'il y a aussi des mamans, des adultes, etc.
Donc moi j'ai fait choisir à ma maman un petit article sur ce site et elle a adoré une paire de chaussures molletonnées pour la rentrée parce qu'elle travaille dehors. Ma maman s'occupe des enfants en fait dans les écoles, elle va les chercher d'une école à une autre pour les amener à la cantine, elle s'en occupe etc. Donc du coup comme elle est tout le temps dehors avec les enfants, elle a besoin de chaussures molletonnées etc, des affaires bien chaudes. Et là elle avait craqué sur celle-ci en fait, en plus j'aime beaucoup la couleur, elle est sympa. C'est une paire de baskets mais à petit talon compensé, comme ça ça fait un peu plus féminin. Et à l'intérieur, regardez-moi ça, c'est hyper molletonné. Enfin, je sais que là, elle va adorer ma petite maman. Mais je les trouve vraiment super sympa. Donc elle les a prises en 39. Je saurais pas vous dire vraiment comment ça taille parce que forcément je fais du 36. Donc moi si je les mets ça va me flotter. Mais habituellement elle fait du 38. Elle a pris une taille au-dessus. Vu que c'est molletonné, autant prendre peut-être une pointure au-dessus, même pour dire de mettre une grosse chaussette, etc. Et pour finir, donc on va terminer avec les affaires hommes. Donc Greg s'est choisi deux t-shirts et un short. Alors on va commencer peut-être avec le short qui est très joli, mais niveau taille, je le savais, je lui ai dit tente pas le short, tu verras, il est taillé, c'est pas comme en France. Il a quand même voulu tenter, mais forcément il s'est retrouvé avec un parachute. Alors le short est vraiment très joli, franchement c'est le style qu'il aime bien, hein. On n'est pas déçu du style. Par contre la taille, c'est taille 38, mais taille 38, non c'est pas possible. Il est 10 fois trop grand pour en mettre deux comme Greg dedans. Donc c'est un peu compliqué au niveau des tailles sur ce site, je sais pas. Après peut-être que vous, vous y connaissez mieux, vos chéris s'y connaissent en taille américaine, etc. Mais nous, du coup, on a fait une petite bourde, donc celui-ci ne lui va pas du tout. Par contre, il est très bien, niveau qualité, rien à dire, il est sympa. Il se resserre en fait au niveau du bas, là, il y a une ficelle. Et lui, il peut mettre le bouton. Là, le trou, c'est bon, il est fait, quoi. À croire que les hommes sont privilégiés sur ce site. Alors ensuite, il s'est commandé deux t-shirts. Alors, il y en a un qui va, un qui va pas. Et je vous explique le délire, c'est qu'il a pris les deux en M. Donc c'est 2M du site Rosgal. Et en fait il y en a un qui taille bien et l'autre qui taille 10 fois trop petit. On n'a pas compris en fait. Donc à savoir que les matières, c'est vraiment une matière assez... vous savez, l'élastane là près du corps, c'est vraiment quelque chose qui va, voilà, qui va coller à la peau. Donc là c'est le t-shirt taille M qui taille bien. Celui-ci c'est bon, il n'y a pas de soucis. En plus le motif est super, super sympa. Greg adore les têtes de mort, hein, et sur ce site il y en a pas mal. Donc il avait l'embarras du choix, donc celui-ci nickel, derrière il est tout noir et puis il taille bien. Par contre à savoir qu'il est un peu court, voilà, ça va pas être des longs t-shirts, hein. Si votre homme aime porter des longs t-shirts, ce sera pas pour eux, mais ce sera plus pour les hommes qui aiment porter les t-shirts près du corps. Ensuite donc le deuxième, là on n'a pas trop compris, c'est un taille M aussi, mais là il taille tout petit, Greg rentre à peine un bras dedans. Donc on n'a pas compris pourquoi il était aussi petit. Sinon le motif c'était une tête de mort avec des roses comme ça. Et derrière il y avait un deuxième motif en fait. Donc en soi il est super joli, hein. Franchement la qualité est bonne tout ça. Mais c'est la taille, il y a vraiment un problème de taille là au niveau des tailles M. Donc à mon avis si vous commandez, enfin regardez bien dans les descriptifs s'ils mettent les mesures etc. Parce que là sur le coup on s'est fait avoir. Et voilà, donc le haul est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire les pièces que vous avez préférées dans ce que je vous ai montré. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est gratuit et ça vous permet de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Surtout que ma prochaine vidéo sera une vidéo back to school avec cette fois-ci un haul de fournitures. Donc tous les cahiers, des stylos, machin, trousses, etc. Avec un concours où je vous ferai gagner un lot en fait... avec toutes les fournitures pour l'école. Ou pas pour ceux qui travaillent. Forcément, moi j'ai acheté plein de trucs aussi pour moi travailler. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.